tout le monde, c'est tous vous des Pocs. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des battles d'illustration avec le méga Latios. Hein, donc ça pourrait être méga Latias, hein, vu que c'est les mêmes, mais c'est bien Latios, hein, y a pas Latias dans la série. Donc avec les 6 derniers boosters, donc je les ai pas mis au display, hein, juste là, mais bah, il est vide. Hein. Voilà. Donc il va y avoir fort à faire, hein, je pense pas qu'il puisse gagner. Hein, je vous rappelle quand même que le Deoxys a sorti 3 ultras, donc 2 full art. Là franchement, il peut pas y avoir full art là-dedans. J'ai eu 3 full art, donc c'est impossible. Déjà, je pensais pas qu'on pouvait faire plus que 2. Mais bon, voilà, j'ai fait. Un peu là, voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Juste à la fin, oui, c'est ça que j'étais en train de chercher. Juste à la fin, je vous remontrerai ce qu'il y a eu dans chaque illustration. Voilà. C'est parti avec le méga Latios. Hop. Le petit booster. La petite carte là. 1, 2, 3, 1, 2. Je regarde juste quelque chose rapidement, c'est important. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais. Ouais, c'est ça. J'avais bien eu 2 full art dans mon display. Que j'ai ouvert avec vous. Je crois que j'ai fait un 2, 3, 2, je sais même plus. Donc j'ai eu 2 full art et là j'en ai eu 3, c'est incroyable. J'ai vraiment de la chance. Natu, Golise, ma chérie a des mains chanceuses, c'est elle qui a choisi les displays que j'ouvrirai en vidéo. Heureusement, parce que si j'avais ouvert le display à 3 ultras dans la vidéo, j'aurais été un peu deg. Hein. Franchement, j'aurais été un peu dégoûté. Drabi, 19 volts, Rappel, Altaria, Papinox, Armulis, c'est une peu comme une reverse. Et derrière, Elector en rare. Je vous l'avais pas ouvert en vidéo celui-là. Allez, on continue. Je vais les remettre là. Hop. Ah, tu commences mal, mon petit Latios. Hein. Tu dois sortir des ultras. Hein. Faut que tu sortes masse ultra. 3, 1, 2. Bon, moi, je sais quelque chose que vous ne savez pas, du coup. Mais je vous le dirai quand je sortirai cette carte, parce que je vous laisse du suspense. Un Solourdo. Goélise. Mini Draco. Dynavolt. Tilton. Lien spirituel Rayquaza. Colombo. Scorvol. Un sur l'ordo en reversé derrière, déflaisant en rat. C'est nul. Allez, on continue. Il reste 4 boosters. Ah là, ça va être les derniers boosters de ciel rugissant que je vais ouvrir avant un petit moment maintenant. Sauf si entre deux, que je vous dis ça, il y a des coffrets ou Pokébox qui sont sortis. Dans ce cas-là, eh ben, j'en ouvrirai. Alors, Piafabec, Voltorb, Sepiatop. Blindalice, Miaouss, Brésillon, Lien spirituel Latios, Noix de coco, Tilton en commune reverse, et derrière, oh, une petite ultra, Galam X. Yeah. Sympa comme tout. Bon, une petite ultra, je vous le dis tout de suite, il y a une autre ultra qui va sortir. Voilà. J'ai pas truqué les boosters ou quoi, hein. Je vous expliquerai quand elle va sortir. Dans ces 3 boosters, bon, après je me trompe peut-être, hein, mais je passerai un peu pour un con. Mais normalement, il y a une autre ultra qui va sortir. Ouais. Normalement, si tout va bien, il y a une autre ultra qui doit sortir. 1, 2, 3, 1, 2, hop. Ce qui fait qu'on va avoir un display de dingue. On va avoir 7 ultras encore. C'est assez dingue. Opermine, Brutalibré, Blada, oula, Blindalis, Miaouss. Nato, Tropius, Pierre, Noah de Coco, Dracos en reverse, et derrière, oh les gens, Rayquaza X, je suis choqué, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est un truc de fou, c'est pas cette carte qui me rend choqué, bon elle est très belle, hein. Mais cette carte là me fait rien du tout parce que je l'ai eu en Japon plein de fois, j'avais importé ça du Japon, hein, je vous ai montré dans un Pokéachat. Et du coup, c'est la même carte, ça me fait pas grand chose. Mais c'est pas pour ça que je suis choqué. Normalement, il y a encore une ultra. Et ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça ferait 8 ultras. Et ça serait la première fois de ma vie que j'ai un display à 8 ultras en vidéo. Voilà. Donc je comprends mieux le petit quota que j'ai eu dans les displays que j'ai ouvert en privé. J'ai eu un quota banal, on va dire. Je comprends un petit peu mieux. Enfin, s'il y a la carte que je pense, s'il n'y est pas, il y a un petit problème. Macro ? Non, t'as pas envie ? Bon. Nangal, Poichijon, un Solourdo, Voltorb, Pikachu, Foulard Apaisant, Scorvol, Échange, Brésillon, un peu comme une reverse, et Victiniora. D'accord. Et le dernier booster, j'ai un peu peur, hein, s'il n'y a pas la carte que je pense, c'est bizarre. Si elle est là-dedans, c'est vraiment bizarre, dans le dernier booster de tout ce que j'ai ouvert. Hop, c'est parti. Alors, Mini Draco. Sepiatop, Natu, encore Natu, Togepi, Alizé, Lien spirituel Rayquaza, Electrode,
Voltorb en commune reverse et Drayer. Ah bah non. Vren est en rat. Ah bah c'est bizarre. Non, j'avais pas triché, hein, j'avais pas triché, c'est pas ça. C'est que je savais quelque chose, c'est qu'en fait j'ai eu 3 secrètes en tout dans mes 12 displays. Dans mes 11 displays et là le 12e. Et normalement on a 4 secrètes sûres à 100%. Ouais, ça peut pas. C'est tout le temps comme ça. Donc je suis content de mes displays, mais j'ai pas eu de secrète. Il me manque une secrète. J'aurais dû avoir 4 secrètes, c'est la base. Normalement, on a 4 secrètes en 12 displays. C'est des case box. Ou alors les case box n'ont pas été scellés, ont été recellés, ou je sais pas. Bon, après, je me plains pas, hein. Je suis super content. Hein. Franchement, je suis super content. On a eu des super ouvertures. Mais il me manque une secrète. Voilà, je pensais tomber une secrète en fait. Je vous le dis clairement, je pensais tomber une secrète. Mais c'est pas grave. Allez. On fait pas de coupure. Alors, on reprend. Dans le booster Megalatios, on a eu 2 ex. Voilà. Qui sont Rayquaza et Galamex. Ça là. Hop. Dans le booster, je vais reprendre du début. Galam, on a eu que 2 holos. Donc bon, bah voilà. 2 petites holos. Je vais mettre là. Hop. Dans le booster, Mega Rayquaza. On a eu Rayquaza X et Latios Full Art. Donc pour l'instant, c'est lui qui gagne. Mais. Oui, petite mémé. Dans le booster Deoxys, on a eu la meilleure pioche, mais de très très loin. Donc franchement, voilà, allez-y. On a eu une holo. Macro, faut pas se faire. Je vais la faire manuellement. Ah, elle peut pas. S'il te plaît. Ouais, voilà. On a eu Elidel en holo. On a eu Dracolos en holo, en plus deux Alphart. On a eu Latios X. Bon, je vais le mettre de côté. On a eu Trioxy Full Art et Rayquaza Full Art. En plus, je l'avais pas. C'est énorme. Je vais vous les mettre là. Hop. Donc clairement, le Deoxys est complètement devant. Donc pour ceux qui ont voté pour l'illustration Deoxys, je vais faire un tirage au sort et je contacterai le gagnant qui gagne un Latios X de... j'allais dire Vigor Spectral, n'importe quoi. De Ciel Rugissant. Donc voilà. Donc voilà, je vous conseille d'acheter donc du coup les boosters sous blister. Je vous conseille largement d'acheter les boosters Deoxys. Hein, la thèse est confirmée, 3 ultras. Ensuite, plutôt du Rayquaza. Ensuite, plutôt du Latios, pardon. Et n'achetez pas de Galam, enfin évitez du Galam, parce que Galam apparemment c'est pas du tout chanceux. Privilégiez Deoxys, Deoxys c'est l'illustration la plus chanceuse, ça a été vérifié dans mes displays et c'est encore vérifié là. Marine, donc XPikami me disait à peu près la même chose. Voilà, Deoxys est l'illustration la plus chanceuse. Donc si vous achetez des tripacks, essayez d'avoir un Deoxys dedans. Si vous prenez des blisters, essayez de prendre que des Deoxys par exemple, ça peut être une idée. Donc voilà, j'espère que ces petits battles vous ont plu. Pour l'histoire de la secrète, écoutez, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai eu que 3 secrètes, c'est la toute première fois que ça m'arrive. J'ai eu que 3 secrètes sur 4 que j'aurais dû avoir. Bon, après, j'ai eu 3 full art là-dedans. Alors peut-être que maintenant, des full art peuvent prendre la place d'une secrète. Perso, ça me dérange pas parce que je préfère 1000 fois une full art comme ça qu'une secrète dresseur. Si c'était des secrètes Pokémon, je dis pas, mais là c'est des secrètes dresseurs. Je préfère 1000 fois une full art. Donc ça me dérange pas, après c'est un peu bizarre, donc dites-moi si vous en savez plus, mais sinon c'est pas très grave. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ça sera normalement pas du ciel rugissant. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.